Ok les cocos, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On se retrouve vraiment en mode chill, hein. Je suis en pyjama, je suis encore sous Covid, yes. Et j'ai eu envie de tester My Sims, donc c'est un jeu qui est sorti en 2007-2008, je ne sais plus vraiment. Je me souviens que je l'avais sur DS, mais je l'ai absolument pas testé sur PC, parce qu'à l'époque j'avais pas de PC qui m'appartenait toute seule quoi. Donc écoutez, on va tester ça ensemble, j'espère que ça va être un jeu assez chill et tout, parce que je sais pas. Si ça se trouve ça va être super compliqué, je vais rien comprendre, mais écoutez, le meilleur moyen de le savoir c'est d'aller en jeu et de tester. Trêve de blabla. C'est parti. Ok, donc là on est sur le menu, donc bon, je ne connais absolument pas, on va faire une nouvelle partie. Ok, emplacement libre. Saisissez ici le nom de votre choix. Ah, on est le maire de la ville ou quelque chose comme ça là? Je sais pas du tout. Bon, on va appeler cette ville Cocoland, parce que je vous appelle souvent mes cocos, donc voilà, Cocoland c'est très bien. Ah bah c'est elle le maire, c'est pas moi? Aïe, moi je croyais que c'était moi le maire, hein. Cocoland, ouais bah voilà, bah, c'est Cocoland. Voilà, on a Cocoland juste ici. Pleine de vie, de personnalité et de Sims heureux. Oh, c'est trop bizarre de voir en fait des Sims sous une autre forme. Mais un jour, le célèbre fondateur de Cocoland a mystérieusement disparu. Oh, d'accord. En fait, c'est une ville un peu abandonnée et je pense qu'on va devoir un peu reprendre les rênes de tout ça. Ouais, en créant des objets et tout. Oh, mais c'est trop bien. Oh, ça c'est nous. Oh, d'accord, on change comme ça. Bon, bah c'est pratique, hein. Attendez, ça c'est quoi ici? Ah, c'est pour changer la couleur de peau. Ça c'est la couleur des cheveux. Bah, je vais essayer de me reproduire, hein. Ça c'est des lunettes. Ah non, mais j'en voulais pas en fait. Oh, elles sont trop mignonnes ces lunettes. Elles sont trop choues ces lunettes. Oh, on peut mettre des petits maquillages, c'est adorable. Je pense que je vais mettre les petites taches de rousseur, non? Je les loupe à chaque fois, au secours. Ouais, voilà. Ça, c'est quoi? Ah, on peut mettre deux trucs à la fois, ok. Bon, je vais mettre que ça, hein, mais je vais changer la coupe de cheveux, par contre. Ok, là, on a une petite couette. Là, c'est des petites couettes aussi. Un petit truc comme ça. Ah, je mettais tout le temps celle-là. Que de souvenirs. Je mettais tout le temps elle. Bon, là, je vais mettre celle-là, je pense. C'est ce qui se rapproche le plus. Je vais juste changer le regard, du coup. Oh, mais il y en a plein. Mais là, c'est dommage parce qu'elle a les yeux bleus. Moi, j'ai pas les yeux bleus, mais ils sont un peu tombants comme ça. Ah, ça, c'est pas mal. Pour la bouche, je vais laisser ça comme ça. Et les vêtements. Oh, c'est trop mignon. Oh, j'aime trop ça. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Oh, ça aussi, c'est trop mignon. Eh, mais les tenues, elles étaient vachement cute à l'époque. Eh, c'est un jeu de 2007-2008, les gars. Non, mais regardez tout ce qu'on a. C'est fou. Ça, j'aime trop. C'est trop mignon. Enfin, c'est grave un truc que je pourrais mettre. Non, mais waouh, tout ce qu'on a. La diversité. Ah! Je suis perdue, je sais pas quoi mettre. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Bon, après j'imagine qu'on pourra rechanger, non? Non mais les gars, ça ne s'arrête pas. Je vais pas retrouver ma tenue que je voulais. Non mais là je clique depuis tout à l'heure. Ah c'est bon, c'est revenu au début. Waouh, incroyable. Je vais essayer de rechercher le petit pull là avec les petites hugs. C'était ça? Non, c'était pas ça, hein. Ah, c'était ça. OK. Bon bah je crois que c'est bon. Ah, il faut que je lui donne un nom. Bon, on va l'appeler Marissa, hein. Marissa. Et au niveau de l'avant, on peut même régler les... Il y a un curseur, alors là, vous devez pas voir, je pense. Voilà, je vais prendre ça. C'est banal. Et c'est parti pour l'aventure. Ah, bienvenue à Cocoland. On dirait on est dans Animal Crossing. Oh, mais il est trop beau, le jeu. On dirait tellement pas un jeu de 2007 ou de 2008. Regardez comment c'est fluide et tout. Oh non, c'est trop chou. Alors, je sais absolument pas quel est le but de ce jeu. J'imagine que ça va être de reconstruire, mais pour le moment, bah, tout a l'air assez joli, quoi. Là, c'est absolument pas moi qui fais bouger mon perso, hein. Ça bouge tout seul. Oh, là, c'est quoi? C'est peut-être la mairie, genre. Voici la mairie où se trouve habituellement Roselyne, le maire. Allons plutôt la saluer. Ah, je peux me déplacer comme ça. Ok, c'est trop bien. C'est génial. Oh, le petit Plum Bob. Bon, on va lui parler. On a la même couleur de cheveux. Oh là là, on est trop sœurs. Enfin, je sais pas si elle est gentille ou pas, elle. Tiens, mais qui voilà, Marissa? Oui, c'est moi. Avez-vous déjà rempli votre formulaire d'inscription? J'adore la paperasserie. Eh ben, t'es bien la seule, hein. Ou viens en France, tu vas être servie. Au lieu de rester à Cocoland. Ok, là, je dois la suivre. C'est parti. Sortir. Cette ville manque un peu d'ambiance, mais surtout d'habitants. Ouais, y'a personne, hein. Je sais que vous réussirez à lui rendre sa gloire en un rien de temps. Oula, bah, je sais pas, hein. Allons voir où en est votre maison. Ah, j'ai une maison. Mais yas. Genre, j'ai une maison. Ah, c'est qui celui-là? Il a une tête trop bizarre. Il est tombé. Il était super étrange, lui, non? Genre, il me... Oula, qu'est-ce qu'elle a? Quoi? Oh non, mais il n'y a aucune maison ici. Alors ça, c'est embarrassant. Tu te fous de ma gueule, Roselyne. Où est ma baraque? Que diriez-vous de montrer ce que vous savez faire? Alors, tu vas te calmer de suite. Je ne sais pas faire les toits, d'accord? Oh, mais adorable! Voici l'espace de travail de votre maison. Vous pouvez y empiler des blocs sur deux étages. Mais non. Mais quoi? J'essaie un peu de comprendre, hein, les gars. J'essaie de comprendre ce que je fais, là. Ouh là là. Je comprends pas bien ce que je suis censée faire, je vous avoue. Ah, mais si, je comprends ce que je dois faire, là. Enfin, pas tellement.
Mais c'est super compliqué, non? Il y a quelque chose, moi, que je comprends pas là-dedans. Hein. Genre là, je sais pas ce que j'ai fait, là. Je sais pas trop ce que j'ai foutu. Trop bizarre. Écoutez, je fais à peu près ce que je comprends. Mais comme je comprends pas grand-chose, ben, ça donne pas grand-chose. Hein. Genre là, il y a un toit. Autant vous dire que moi et les toits, voilà. Donc là, je comprends pas bien ce que je dois faire. Là, je dois mettre une cheminée et tout. Je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vachement dur, non? Enfin, là on a le mode peinture. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais what the fuck, les gars, je comprends rien. Mais là, ceux qui connaissent ce jeu vont me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques là? On dirait un gâteau à la crème. Et vous avez complètement raison. Mais je comprends pas ce que je suis censée faire en fait. Tout vous dire, je comprends pas. Mais tu m'étonnes que je comprenais rien quand j'étais plus jeune. Et que je sais toujours pas faire des toits dans les Sims 4. Ça vient de là en fait. En fait, ça vient d'ici. Regardez que tellement c'était mal foutu que je comprenais rien, moi. Non, mais en vrai, je comprends rien. C'est grave ou pas? Moi, je crois que c'est un peu grave. Mais je comprends rien. Hein. Puis là, on a un nain de jardin. Qu'est-ce que ça vient faire là? Je sais pas trop. Je comprends rien, les gars. Genre, pourquoi là, j'ai un bloc, tu vois? Je comprends rien. Bah, de toute façon, je pense que après je pourrais bouger, non? Tout ce que j'ai mis là. J'espère. Parce que franchement, c'est dégueulasse. Genre, t'es mal, le flamant rose, il a rien à faire, là. Attendez, attendez. Genre, si je fais ça, là, c'est quoi de ça? Mais il y a plein de trucs qui viennent, là. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien du tout. Oh, mais c'est beaucoup trop compliqué, moi, pour moi, ça. C'est trop compliqué, genre. Bon, déjà, ces toits-là, ils vont mieux. Mais je sais pas, on dirait ça va pas ensemble. Mon Dieu, je suis perdue. Ça, c'est quoi? Un panneau solaire? J'en sais rien. Mais non, mais là, il y a trop de trucs qui rentrent en compte et que moi, je comprends rien. Écoutez, on va dire que j'ai fini. On va voir ce que ça donne en jeu parce que je comprends pas. Je pense qu'après, je pourrais la modifier, non? Mais c'est horrible! Quelle belle maison! Mais j'avais pas vu que j'avais oublié un bloc. Non mais les gars, au secours! Non mais attendez, moi il faut que je vois ma maison là. Oh là là, on l'a pas vu en entier. Mais c'est la misère de misère, moi je vous le dis. Hein. Regardez elle, sa maison, comme c'est trop beau! Oh non! Non mais voilà. Maintenant on peut dire que je sais pas faire les toits dans les Sims 4, mais je sais pas non plus les faire dans My Sims. Est-ce que c'est pas la honte suprême? Voici quelques essences de pommes rouges. Vous pouvez les planter pour faire pousser encore plus d'essence. Oh! Rassemblez 10 pommes rouges. J'ai rejoint moi à la mairie. Bah, y a pas de souci. Ah, mais on dirait vraiment Animal Crossing, le truc. Donc là, je peux couper l'arbre. Ok, je vais récupérer des bois. Mais c'est génial, mais c'est génial. Là, je vais couper quoi? C'est quoi? Pomme verte. Couper, mais ça va pas du tout. J'en ai combien? Elle m'a dit qu'il m'en fallait 10. J'en ai 5. C'est une blague. Faut peut-être que je plante des trucs. Ah, je l'ai pas écouté, la con. Ça, c'est quoi? C'est des ananas Minecraft? Bouton d'or? Bah, attendez, je vais peut-être essayer de planter des pommes, hein. En tout cas, le jeu est très beau. Attendez, je vais essayer de planter, voilà, une pomme. Et tu pousses vite ou pas? Je sais pas si ça pousse vite, hein. On va l'arroser. Ouais, mais là, tu vas le noyer, le bordel, là. Mais je sais pas du tout si ça va pousser vite, hein. Moi, je suis pas convaincue. Ce jardin contient déjà trop d'arbres. Ah, mais attendez, mais on doit avoir d'autres arbres à couper, hein. Plus loin, avec des pommes. Par contre, je vais retrouver ma maison, qui est vraiment affreuse. Elle est où? Non mais la honte est... Oh la honte! Non mais ça c'est pas une maison! Chez Marissa! Ouais bah j'ai bien honte que ce soit chez moi. Hein. Non mais moi il faut que je change ça, c'est vraiment une catastrophe. Ah mais chez moi c'est un peu cosy, genre ok. J'ai mon petit lit, j'ai... Ouais non c'est pas mal, c'est pas mal, c'est cosy. C'est cosy. Mais l'extérieur me fait v'la honte. En fait je sais pas pourquoi on m'a fait mettre des blocs comme ça chez Marissa. En plus le truc il pointe du doigt en mode ah bouhou c'est chez Marissa. C'est trop moche! Ah non j'espère que je pourrai changer ça plus tard. Mais où est-ce que je peux trouver des pommes? Qu'elle veut des pommes, la con là-bas là. Ah ça je peux peut-être prendre, sentir, détruire, déterrer. Et si je sens ça fait quoi? Bah elle aime bien. Ah ben non, il n'y a pas de pommes. Où est-ce que je peux find des pommes? Oui, je suis un peu bilingue quoi. C'est bien, c'est bien. Attendez, parce que là je cours au max, d'accord? Je suis au max de ma vitesse. Pomme, pomme, pomme. Où est-ce que j'ai des pommes? Est-ce que mon pommier, il a peut-être poussé, genre? Il a un peu poussé. Il a un peu poussé. Attends, je vais l'arroser. Le truc va se noyer. J'aurai aucune pomme au final. Non, bon, ben pousse. Comme dans l'émission, là. Silence, ça pousse. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Elle cherche des métaux, des diamants et tout. Bah, cherche bien. Arrêtez la prospection. Ah, peut-être que j'ai pas assez de... Je sais pas, j'allais dire de niveau, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des niveaux dans ce jeu. Aide, récupérez 10 pommes rouges et apportez-les au maire. Mais oui, mais je sais. Vous trouverez la mairie. Bah oui, non, mais je sais où elle est la mairie, mais j'ai pas de pommes. Trouvez 10 pommes rouges. Y a pas quelqu'un qui peut me donner des pommes rouges au pire, genre? Ah, ça y est. Enfin, ça y est, je vais pas en avoir 10 là d'un coup, hein. Mais vos pommes, on dirait des poivrons un peu. Hein. Piétiner?
Oh mon Dieu, si seulement c'était aussi simple, hein, dans la vraie vie, ça se fait pas comme ça. Bah, je crois qu'en fait, j'ai compris. Hein. On me dit qu'il y a trop d'arbres parce qu'il faut que je les piétine, ceux-là. Et là, je dois planter les pommes. C'est ça, en fait. Voilà. Mais oh là là, mais je suis un génie. Tellement chill comme jeu. Je suis trop contente de tester un jeu de la licence My Sims parce que c'est vrai que les seuls que j'ai testés, c'était sur DS. Et c'était My Sims, mais Kingdom, je crois. My Sims Kingdom. Et je me souviens que j'aimais d'amour ce jeu. J'y jouais tout le temps. H24, H26. H30 et j'aimais trop. Mais là en version PC pardon, c'est vachement différent. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est le même jeu. Bon là, j'ai bien arrosé, ça va pousser je pense. En attendant, je vais aller un peu explorer les alentours. Ah non, mais à chaque fois que je retombe sur cette maison horrible, j'ai la honte en moi là, tu vois. Il aurait fallu que je fasse une maison mignonne comme ça. Genre ça c'est chez qui ? Salut mec, tu fais quoi ? Yo Marissa, moi j'adore les pommes. Bah c'est sympa. On est heureux de le savoir. Franchement, ah bah tu peux pas m'en donner ? Je peux pas les prendre ? Utiliser ? Ah, je peux pas. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Ah, il... Mais il est con ou quoi ? Ah oui, il a une maison, en gros, c'est dédié aux pommes. Par contre, t'as des problèmes de robinetterie, hein. Faut appeler le plombier, hein. Moi, je suis pas plombier, je m'en vais. Ok, on est allé visiter cette maison chelou avec le fan des pommes. En plus, c'est notre voisin. Et elle, sa maison, elle a l'air trop stylée. C'est une maison un peu gothique vibes. Waouh ! Par contre, elle dort, la dame. Bon, je vais aller un peu visiter chez elle. Bah, c'est accueillant, hein. Franchement, elle a la joie de vivre, cette personne, ça se voit. What ça, qu'est-ce que c'est? What? Ah d'accord. Récupérer 10 pommes rouges. Oui, bon, mais j'ai compris, merci. Oh là là. On me met la pression, hein, quand même. Hein. Violette, je peux pas la réveiller? Ah si, on peut la réveiller. Parler, je vais lui parler, voir ce qu'elle me dit. Personnellement, je préfère les encens de fleurs fanées, mais si le maire a besoin d'encens de pommes rouges, alors... Oui, bah c'est moi qui vais me coltiner ça, quoi. C'est pas toi qui va m'aider à chercher des petites pommes rouges, hein. Bon, d'ailleurs, en parlant de ça, ça doit être prêt. Ok, c'est good. Il y a pas de pommes rouges dedans. Ah, je me suis fait arnaquer. Elles sont où, mes pommes rouges? Non, les gars, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, attendez, ça fait des pommes? Bah non, elles font pas des pommes. Non, mais c'est une blague. J'ai planté des pommiers, il n'y a pas de pommes dessus. Vous voulez que je meure, hein, en fait. Vous voulez que je me fasse arnaquer. Ah, une pomme. Il y a une pomme ici. Fertilisée? Bah là, je l'ai beaucoup fertilisée. Ah, mais il est tout fané maintenant. Ah, mais c'est ça qu'il fallait faire dès le départ, je pense. Oh là là. Il est tout fané maintenant. Bah, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, je vais aller à la mairie, voir la Roseline là. Je sais pas ce qu'elle me veut. Allez, c'est parti. Parce qu'elle a fabriqué avec 10 pommes rouges. Si ça se trouve, c'était juste pour se faire une tarte, hein, elle nous a eu. On s'est fait avoir, hein. Pas ça, le... Ah oui, elle est là, je croyais que c'était pas la mairie, en fait. Super, 10 délicieuses... ou à quoi ? 10 délicieuses pommes rouges, c'est compliqué à dire. Elles nous serviront plus tard pour construire un élément dans la mairie. Ah, c'est pour toi, en fait, que je t'ai ramené ça ? T'es sérieuse ? On vous a expliqué que vous disposiez de votre propre atelier pour tous vos travaux manuels. Venez, je vais vous montrer. Elle a disparu. Roseline, t'es où ? Roseline a disparu dans le rideau, là. Faut que je sorte, hein. Ah, elle est là, Roseline. Hein, enfin, c'est pas croyable. Eh bien, j'ai comme l'impression que nous allons également devoir construire un atelier, haha. Non, je te jure, c'est pas la peine. Non, mais Roseline, je t'assure. Roseline, franchement, t'as pas honte de me faire subir un truc pareil. C'est pas possible. Non, attendez, il faut vraiment que là, que je me concentre bien, d'accord? Là, faut que je me concentre. Attends, là, déjà, c'est mieux que ma maison, on est d'accord? Mais je vais faire vraiment un petit atelier, hein. Je vais pas faire un truc de ouf, Roseline, parce que là, franchement, ça m'a fait honte, le dernier truc, hein. Je prends même pas compte, en fait, de ma réputation, là. Puis le toit, là, il est à l'envers. Ah, voilà. C'est un bel atelier, non? Il est horrible. Tous les bâtiments se doivent avoir leur enseigne. Ah bon? Bah comment je fais? Comment ça leur enseigne? C'est où leur enseigne? Je comprends pas ce qu'ils me demandent, le boug. Quelle enseigne? No comprendo, je comprends pas. Ah mais je peux mettre des petites barrières là, c'est grave chou. Mais c'est où l'enseigne? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les objets, ça rajoute des pourcentages de choses. Là c'est 2% amusant. Ouais bah tu m'étonnes vu la tronche du truc, hein. Mais je comprends pas l'enseigne. Ça, il faut que je l'enlève peut-être, je sais pas. Bah non, il me demande une enseigne. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça l'enseigne. Ah, d'accord. C'est le marteau, en fait. D'accord. Comprendo, j'ai compris. Bah, d'accord, bah, du coup, faut le mettre plus devant, quoi, pour qu'on puisse mieux le voir. Ouais, bon, c'est un peu abusé, là. Hein. Non, mais ça va, c'est mignon comme ça. Écoutez, on va voir ce que ça donne en jeu dans la réalité, mais c'est vrai que je suis pas convaincue. C'est déjà mieux que ma maison, je vous avoue. Oh, oui, bah, attendez, ça a rien à voir. Bon, le toit, il est un peu chelou, mais c'est pas grave. Ok, là je suis dans l'atelier et elle veut que je fasse un fauteuil, madame. Alors qu'est-ce que c'est? Mais c'est un jeu de construction en fait. Mais c'est super dur. Enfin, là ça va, mais je veux dire, quand j'étais petite, tu m'étonnes que j'étais pas très forte à My Sims. Je sais plus s'il y avait ça à faire dans My Sims Kingdom, mais tu m'étonnes que j'étais perdue. Ah, mais en plus on voit le petit Gugus s'asseoir dessus. Ah, on peut les faire bouger et tout. Ah.
Mais je trouve ça hyper intéressant en fait. Bah voilà, ma chaise elle est finie là. Oh non, elle va aller chez moi pour le déposer chez moi. Non, je t'assure. Oh bordel, c'est vraiment trop moche. Ah, il faut que je puisse changer ça, hein. Ok, du coup là j'ai ma chaise que j'ai faite. Et je peux la tourner avec les touches. Ok. Oh non, mais c'est grave mimes. Magnifique. Vous avez parfaitement compris comment redécorer votre maison. Oui, mais est-ce que je peux faire l'extérieur, Roselyne? Ou appeler un petit artisan, parce que là ça va pas du tout. Le maire vous a donné de nouveaux modèles. Ils sont désormais disponibles dans votre atelier. Bah merci beaucoup. C'est très sympatoche. Alors, en vrai, maintenant, faut faire quoi? Peut-être que je vais dormir. Dormir jusqu'au lever du jour. Bah, allez, dors. C'est trop chou comment ils dorment. Oh, y a pas d'écran de chargement. C'est génial. Ça, c'est pour changer d'apparence, j'imagine. Ça, c'est pour changer de tenue. Oh, c'est trop, trop bien. Bon, alors, maintenant, on va un peu explorer ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut avoir des interactions avec les autres? Je sais pas, moi. Bon, fonder une famille, sûrement pas. On est dans My Sims, hein. Quelle horreur. Je peux pas changer ça, sérieux. Quelle horreur. Faudrait vraiment que je puisse changer ça. Hein. Réaménager. Oh oui, mon rêve. Oh, oh, je suis contente. Oh mon dieu, je suis contente. Ah non, parce que là, c'était vraiment de la crotte de chèvre fanée. Hein. Franchement, c'était horrible. Hein. Changez-moi tout ça. Hein. Oh, oh là là, que je suis contente. Ah non, ça allait pas du tout. Hein. Non, mais vous imaginez la honte. Déjà, je vais faire une plus petite maison. Mais déjà, on dirait qu'ils se collent pas entre eux, les trucs. C'est chelou. Je sais pas, on dirait que ça colle pas entre eux, regardez. Alors que l'atelier, j'ai bien réussi à les coller entre eux. C'est ça que je comprends pas. En fait, ça, c'est quoi? C'est des blocs? Blocs de base. Donc ça, c'est quoi? Ah non, ça va pas, ça. Ça, c'est toutes les portes, les fenêtres, les machins. Mais la base, c'est quand même ça, on est d'accord. Parce que même en les tournant et tout, pas l'impression qu'ils s'accordent entre eux, les trucs. Ou alors, je suis peut-être folle, hein, je sais pas, mais... Regardez, ça s'accorde pas. Bizarre, bizarre. Que même en changeant la couleur, regardez, ça fait étrange. Je suis en train de voir les différentes couleurs, mais je comprends pas ça. Pourquoi ici, il y a une séparation, tu vois? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ou alors carrément, j'assume et je le mets là, tu vois. Je sais pas, moi. Ou comme ça. Ou comme ça. Oh, attendez, venez, on tente ça comme ça. En termes de toit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oh, la porte, là, elle est belle. Hein. J'aimerais bien la mettre là, comme ça. Faudrait peut-être ajouter un bloc aussi. Je sais pas, je suis vraiment perdue. Ah, celles-là, elles sont belles comme fenêtres. Je sais pas si vraiment les fenêtres ont des répercussions dans le jeu. Est-ce qu'on les voit aussi à l'intérieur de la maison? Je sais pas. Attendez, ça, je pense. On va l'enlever. C'est un peu compliqué quand même à faire les maisons dans My Sims. Hein. C'est tellement pas ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. En termes de toit, là, ouais, ça me plaît mieux. Mais du coup, ça, il faut changer la couleur, parce que ça va pas du tout. Ah, ok, bon, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a eu par le passé, là, hein, parce que vraiment, c'était horrible. Hein. J'avais vraiment fait de la crotte de chèvre vraiment comme il faut, quoi. Ah, ça, je peux pas le placer autrement que comme ça. C'est pas si grave, je crois. Ah, voyez, maintenant, elle est intelligente, ma maison. Elle est moins amusante. Ça, finalement, je vais l'enlever. Ça fait trop pas moderne. Oh, ça aussi, ça ajoute de l'intelligence. J'ai une maison très intelligente. Hein. Quelle intelligence, cette maison. Je suis contente parce que, franchement, regardez comme ça fait beau. On était très mal partis au début. C'était vraiment une catastrophe. Là, c'est bien. Là, je vais mettre des petites rambardes pour que ça fasse une espèce d'entrée. Oh, c'est bien. Je pense que j'ai fini. Hein. Et du coup, là, ma maison, elle est 2% intelligente et 17% studieuse. Voyons ce que ça peut donner. Oh, je suis contente d'avoir modifié ça parce que c'était vraiment affreux. Oh my god. Non mais alors là c'est le jour et la nuit. Et est-ce que du coup ça a changé l'intérieur de la maison? Je pense que non. Hein. Ouais c'est la même config, ça change rien. Donc c'est super. Je suis vraiment contente. Ça ressemblait vraiment à rien. Trop trop bien. Et du coup à côté j'ai l'atelier qui est juste là que je peux réaménager si vraiment je l'aime pas. Là j'ai mon voisin chelou avec ses pommes. Ok et donc le but du jeu ce serait quoi? Oh on peut pêcher. Quand vous voyez des bulles à la surface il y a tant poisson. Voilà je fais des... Oh non, mais je sais plus parler. Il y a un poisson, évidemment. Placez le bouchon vers les bulles, puis maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé pour attraper le poisson. Ok. Je tire, je tire. Ah bah, j'ai pas réussi, en fait. Ah, ici, peut-être. Je comprends pas bien comment ça marche. J'essaie de comprendre un petit peu, hein. Là, je tire. Mais ça a pas l'air de marcher, quoi. Peut-être que le bouchon, il se laisse emporter. Genre là, et là, je tire. Ah non, mais j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris comment on pêchait. Bah déjà, cette maison, elle est pas belle. Hein. Hôtel Cocoland, c'est pas fameux. Hein. Donc, je me moquais tout à l'heure de ma maison. Mais alors, Hôtel Cocoland, on va aller voir dedans. Mais c'est pas fou. Hein. Personne va venir à l'hôtel de Cocoland. Hein. Mais je vous invite quand même. Vous pouvez venir. Oh, waouh. Ok, qu'est-ce que je peux faire du coup dans cet endroit? Seuls les clients de l'hôtel sont admis à l'étage. Bah alors là, j'allais dire, je suis le maire de cette ville. Mais absolument pas. Faut que je me sorte ça de la tête. C'est parce qu'en fait, dans My Sims Kingdom, quand j'étais petite, on était le maire de la ville. Mais là, non.
C'est Rosaline, le maire de la ville. Hey, salut, moi c'est Pierre, le groom, à votre service. Pour l'instant, c'est assez calme, donc j'ai le temps de vous saluer, je sais pas quoi. Bah, c'est cool. Ah, il m'a dit que la mère voulait me voir, mais elle veut tout le temps me voir. Il y a pas un moment où je peux me reposer, explorer un petit peu, genre. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle veut des pommes, elle veut quoi? Elle veut que je fasse ses courses. Elle nous fait caguer, la Rosaline, hein. Ça, c'est quoi? C'est un magasin de fleurs, j'imagine. Oh, mais oui, c'est trop cute. Elle a l'air bien gentille aussi. Par contre, la fenêtre qui donne sur l'intérieur, c'est un peu bizarre, non? Je crois que le maire Roselyne cherchait... Oui, je sais qu'elle cherche à me voir, mais j'inspecte un peu les lieux. Mais votre fenêtre, la madame, elle est pas aux normes. Hein. D'ailleurs, les deux ne sont pas aux normes. Hein. Va falloir régler tout ça. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle veut, Roselyne? On va aller la voir, hein, sinon elle va me faire une syncope. Où est-ce qu'elle est déjà? Non, c'est pas ici. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est là, ok. Putain, mais je cours vite, hein. Regardez-moi ça. Douk, 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 douk. Je sais pas pourquoi, je cours aussi vite, là. Elle est au téléphone. Non, mais quelle... Ok, on prend des notes, je sais pas ce qu'elle nous raconte. Et voilà, elle a besoin de pommes encore. On vient de confier votre première tâche. Bah oui, mais elle veut qu'on lui fabrique un podium. T'as cru j'étais l'homme à tout faire dans cette situation-là? Bon, je vais aller lui fabriquer parce que je suis un peu son larbin. Voilà, on va pas se le cacher. Mais faut qu'elle se calme, hein. Bon, où est ma baraque? Ça, c'est qui? C'est chez Violette, ça, on est d'accord? Et donc, moi, j'habite... Alors, attendez, faut que je me repère dans l'espace. Je crois que j'habite là. Ouais, et là, c'est l'atelier. Ah, cette Roselyne, hein. S'atteler à une tâche. Oui, je veux faire ça. Allez, c'est parti. On va faire ces petites choses qu'elle veut, là. Eh, mais c'est dur, c'est un jeu de construction, là. Genre, vraiment, attendez, mais tu te bais ou quoi? Je trouve pas la solution. Non, mais attendez, ça va pas du tout, là. Sarah, enfin. Mais je suis perdue sur un jeu de construction pour enfants. Vous me croyez ou pas, genre? Ah, mais attendez, j'avais pas vu ces pièces. Ouais, mais non, elles vont pas non plus. Mais qu'est-ce qui passe en la casa, là? Non, mais il faut mettre que celle-là, en fait. Je suis teubée. Pourquoi, depuis tout à l'heure, je m'attelle à vouloir mettre d'autres pièces que celle-là? N'importe quoi, genre, bah oui. Oh là là, Sarah! Non, mais voilà. Vas-y, je vais aller lui donner son podium, là, qui m'a donné beaucoup de mal. Tu as l'intérêt à l'apprécier comme il faut, hein. Parce que franchement, j'ai mis toute mon âme. Pas tous mes neurones au début, mais toute mon âme, ça c'est sûr. Ouais, elle est assise, elle lit son magazine Closer, voilà. Et nous, on travaille à sa place. Non, mais tout va bien. Bah, je l'ai fini ton podium, pourquoi elle me dit que je l'ai pas fini? C'est une blague? Ah, mais elle veut des pommes. Non, mais elle se fout de moi. C'est quoi l'intérêt d'avoir un podium avec des pommes? Bon, on va aller chercher ses pommes. Des pommes de Renette, même, je dirais. Et pommes d'api. Oula, où est-ce que je vais? C'est pas là. Je vais aller dans un terrain inconnu, là. Où est-ce que je vais? Regardez comment elle court vite, ça me stresse. Je tourne en rond, là. Attendez, moi, je veux aller où il y a les pommes, c'est-à-dire ici. Ah, c'est juste là, les petites pommes. Voilà. Je vais couper ça. En plus, ça nous fait du bois. Très bien. Mais c'est bien parce que des pommes, j'en ai beaucoup. Pourquoi elle les veut pas? Je comprends pas le délire là. Attends, j'en ai 19. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de pas net. On est peut-être que le podium, il faut qu'il y ait des pommes dessus. Je comprends rien. Attendez, s'atteler à une tâche. J'ai vraiment besoin d'un podium pour m'entraîner à découvrir. Voici le modèle. Mais il faut que je le modifie du coup? Que le podium, il est là. Mais je vais pas mettre des pommes dessus. Je vais mettre des pommes dessus? Mais quel intérêt de mettre des pommes dessus? Mais je comprends rien. Quel est ce jeu? Genre, c'est ça qu'il fallait faire? C'est un podium avec des pommes? Non, mais me dites pas que c'était ça qu'il fallait faire. Maintenant, c'est pas ça. Enfin, pas en tout cas. Attendez, attendez. Je suis sûre que c'est pas ça. Elle voulait pas un podium avec des pommes collées dessus. Il est bizarre ce jeu, hein, en vrai. Elle est encore au téléphone. Décorer? Mais non, mais j'ai pas envie de décorer. Vous avez terminé le podium avec les deux pommes rouges. Pensez à me le donner lorsqu'il sera prêt. Podium avec les deux pommes rouges. Mais Roselyne, là, franchement, je te comprends pas. Je me demande même si tu prends pas des substances illicites pour penser à des choses pareilles. Un podium avec des pommes rouges. Attends, j'ai tout ce qu'il faut. Je comprends pas ce qu'elle veut, la Vioque. Bon, manifestement, du coup, les pommes, faut pas qu'elles soient là, quoi. Bon, il en faut que deux. Passer en mode fantôme, ouais, non. Bah, là, j'en ai mis que deux. Accrochées au podium. Mais ça me dit pas que j'ai réussi la tâche, tu vois. Mais ça se trouve, c'est un truc débile. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais elle est con ou quoi? C'est grave possible. Eh, je connais pas ce jeu, ok? Non, mais là, Madame Roselyne, vous êtes où, là? Ah, vous êtes là. Elle sautille, hein. T'es, je vais lui donner ça, hein. Si elle veut pas, moi, je game over, je comprends pas. Vous avez terminé le podium avec les deux pommes rouges, pensez à me le donner. Ah, mais attends, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Ah, non, non, mais là, j'ai fait une merde, là. Alors, faut que je le mette, ton podium. Ça te va? C'est bien? Je crois qu'il fallait pas faire ça, absolument pas. Bah, elle a l'air très heureuse, hein. Mais je crois pas que c'est ça qu'elle voulait. Ouais, non, c'est pas ça. Bah, tu sais quoi, je vais m'embrouiller avec elle. Je vais être méchante. Oh, hop, je m'attendais absolument pas à ça, c'est violent.
colère. Ah ben je récupère de la colère, c'est génial. Faire un discours. Ah ben je fais que de l'engueuler et tout, mais c'est génial. Oh, on se bat. Je me bats avec Roselyne. Bah ça c'est super ça. Un peu d'action. Ah ben j'ai perdu, super. Je lui ai roté dans la face. Non, franchement, il se passe trop de trucs bizarres là maintenant. Présentement, ça devient un peu chelou. Mais ça fait quoi du coup la tristesse? Ça fait quoi? Encens. Ah ouais, j'ai des encens de tristesse et tout. Ça peut grave servir à faire des trucs. Et si je suis gentille avec elle? D'accord, je lui fais un bisou, ça devient un peu creepy, un peu cringe tout ça, je suis en train de la draguer. Ouh là là, on se fait des chatouilles chelous. Bon, OK. Bon bah écoutez, c'est sur ça que se termine cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 2, dites-moi si vous saviez ce qu'il fallait faire pour le podium avec les pommes, j'ai pas vraiment compris, je vous avoue. C'est super intéressant de redécouvrir un jeu et en vrai, ce jeu est vraiment beau. Alors pour le moment, j'y trouve pas grand intérêt parce que bah je comprends pas bien les tâches etc. qu'il faut faire, mais je suis sûre qu'il y en a qui connaissent My Sims par cœur et qui vont m'expliquer des petites choses en commentaire. Vous me direz ça, mais en tout cas, je le redis, le jeu est très très beau pour un jeu daté de 2007, c'est incroyable. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao !